Aujourd'hui, nous allons parler du thème délivrance. Deliverance. What is deliverance? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? But before we start, I want us to know that when we talk about deliverance, Jesus is the one who delivers. Hallelujah. Mais avant que nous commençons, j'aimerais vous faire savoir que c'est Jésus qui délivre. Today we are gathered because we are coming to Jesus so that Jesus will deliver us. Amen. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés parce que nous voulons que Jésus nous délivre. Jesus came to save and he came to heal and he came to deliver. Jésus vient pour nous sauver, mais il vient aussi pour nous délivrer. He came to save. He came to heal and he came to deliver. Jésus est venu pour sauver, mais il est aussi venu pour délivrer. He came to heal. Il était venu aussi pour guérir. Amen. He came to save, he came to heal and he came to deliver. Jésus est venu pour sauver, pour guérir et pour délivrer. And many people understand the area of salvation easily. They know that Jesus came to save. Beaucoup de personnes comprennent et la voie de la délivrance, la façon dont Jésus est venu et délivre. Many people understand salvation easily. They understand that Jesus came to save. Beaucoup de personnes comprennent le salut comme Jésus est venu pour délivrer. La salinon n'est pas là pour t'aider. Si vous pouvez aller tout doucement, je pourrais. Parce que quand vous parlez beaucoup, bon, je ne peux plus. Parce qu'il y a beaucoup de mots. Après, ça m'échappe. OK. People understand that Jesus came to heal. They understand the area of healing. Beaucoup de personnes comprennent que Jésus est venu pour sauver. Ils comprennent que Jésus est venu pour guérir. But many people do not understand deliverance. They don't understand the area of deliverance. It's not yet clear for them. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est réellement la délivrance parce que ce n'est pas souvent clair pour tout le monde. They understand Jesus came to save, Jesus came to heal, but the deliverance, they don't, it's not clear. There's ignorance on it. Ils comprennent que Jésus est venu pour sauver, Jésus est venu pour guérir. Mais quant à ce que Jésus est venu aussi pour délivrer, beaucoup sont dans l'ambiguïté. My sister, I'm telling you, for you to be ordered to live in whole, to be able to live in whole, a holy life, you need to be delivered. Ma soeur, avant que tu saches que tu dois vivre dans la sainteté, tu as besoin d'être délivré. Avant de pouvoir vivre dans la sainteté, tu dois être délivré. Now, let's open the book of Obadiah chapter 1, verse 17. The book of Obadiah. Ouvrons le livre de Abdias. Mm-hmm. Chapter 1, verse 17. Chapitre 1, verset 17. Let's read. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Amen. Donc, nous allons lire le livre de Abdias, chapitre 1, verset 17, qui nous dit, je le lis. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Amen. So there is a... There is a place called Mount Zion. Donc, il y a une place qui s'appelle Mont Sion. You must get to Mount Zion before you get your deliverance.
tu devais aller sur la délivrance pour chercher ton salut. Attends. Et pour chercher ta délivrance. After deliverance take place, now you can live a holy life. Après que tu trouves la délivrance, tu dois aussi vivre dans la sainteté. Après avoir trouvé la délivrance, tu peux maintenant vivre dans la sainteté. And after, it is while you are living in holiness, then you can possess your possession. C'est quand tu vis dans la sainteté que tu pourras aussi maintenant prendre possession de ces possessions. Tu pourras reprendre tes possessions. Voilà. Amen. The Bible says, upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess, the house of Jacob shall possess their possession. So, you must get to the Mount of Zion. From the Mount of Zion, you will get your deliverance. After getting your deliverance, holiness will take place. Holiness now, after holiness, you will possess your possession. Hallelujah. Very clear. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit que il faut d'abord, sur la montagne de, comment dit-on, sur le mont Sion, tu dois aller et tu dois d'abord vivre dans la sainteté et après, tu pourras avoir ta délivrance. Tu dois, you must get first to the Mount Zion. Premièrement, tu dois aller sur la montagne de Sion. And when you get there, you will get your deliverance. Et quand tu vas à la montagne de Sion, tu pourras avoir ta délivrance. And when the deliverance takes place, you can live a holy life. Et maintenant, quand tu as ta délivrance, tu pourras vivre dans la sainteté. After healing, living a holy life, then you can possess your possession. Après avoir vécu dans la sainteté, c'est là que tu pourras maintenant prendre tes possessions. The way the Bible arranges it, that is the way. C'est comme ça, c'est de cette manière que la Bible l'a énuméré. It's after deliverance that you begin to manifest the fruit of the Holy Spirit. C'est après la délivrance que tu pourras manifester les fruits de les fruits du Saint-Esprit. It means that you first have to get to the Mount Zion. Donc, ça veut dire que premièrement, tu dois aller sur la montagne de Sion. And when you get to the Mount Zion, there you will find deliverance. Donc, tu dois aller sur la montagne de Sion pour trouver ta délivrance. Hallelujah. So, many people understand the issue of salvation. Healing, but the area of deliverance, they don't understand it clearly. No. Donc, beaucoup de personnes, ils comprennent le message de la guérison, le message du salut, mais ils ne comprennent pas bien ce que c'est que la délivrance. The Bible says in Luke chapter 4, verse 18, it says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, recovering of sight to the blind, and set at liberty them that are bruised. You understand? All these La things. Bible déclare dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » The enemy wants people our greatest weapon is ignorance. L'ennemi, il voudrait tout simplement maintenir les gens dans l'ignorance. Do you understand? Dans un grand niveau de l'ignorance. Yes, he wants people not to understand this what is deliverance. He wants to keep people in total ignorance. Il veut simplement garder les gens dans la totale ignorance de ce que c'est que la délivrance. So ignorance is a disease.
Donc, l'ignorance, c'est une maladie. It is when you can read, then after you read, then you understand. But if you cannot read, you understand, you will be ignorant. And Satan will use that ignorance against you. Donc, dans la vie, quand tu peux lire, c'est là que tu peux comprendre. Donc, c'est ce que Satan fait. Satan veut garder, te garder dans cette ignorance. So, ignorance is the mother of destruction. Donc, l'ignorance, c'est ce qui cause la destruction. Many people do not know that the queen of the ghost is sitting, was sitting in the church until the Lord revealed it to people. Today, women are beginning to say, so this is true. So this is true. The veil of ignorance has been removed. Beaucoup de personnes, ils ne savaient pas que dans les églises, je n'ai pas bien compris là-bas. Many people do not know that the spirit of the queen of the coast was sitting in the church. Ah, okay. Donc, beaucoup de personnes, ils ne savaient pas que l'esprit de la reine de côte était assis dans l'église. Maintenant qu'ils le savent, c'est là que leurs yeux se sont ouverts. Aha. Now that God opened their understanding, their eyes are not open. They cannot fight the queen of the coast. Maintenant que Dieu a ouvert leur intelligence, c'est là que leurs yeux se sont ouverts et ils pourront se lever pour combattre la reine des côtes. But before that, the queen of the coast was operating. You know, nobody was there to fight her. Her kingdom was in the church. Nobody could notice her. And she was happy. Satan was using our ignorance to destroy us. Avant, la reine des côtes était assise dans les églises. Personne ne le voyait. Donc, il était au milieu des enfants de Dieu. Satan was using our ignorance. Donc, Satan utilise notre ignorance to pour us nous détruire. Until the Lord open your eyes. Jusqu'à ce que Dieu a ouvert nos yeux. When God open your eyes, when you know that this thing is evil, then you begin to fight against that thing. Quand Dieu t'ouvre les yeux et que tu sais que ceci, c'est un péché, là, tu vas décider de le combattre. All of us that were captured by the spirit of the queen of the coast, we thought we were living a holy life. Until God opened our eyes, we saw that Satan, the queen of the coast, was possessing us without knowing. Nous tous, nous étions encore dans l'ignorance. Dans de ces choses, jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à nous ouvrir les yeux. When you knew that these things were evil, you began to pray against it. You began to ask God, oh my, I come against every spirit of worldliness. Today, I put a separation between you and me. You understand? Deliverance began to happen. Deliverance began to happen. You see, but before you could not do it because you were ignorant. Quand Dieu t'ouvre les yeux, c'est là que tu vas savoir que ah, ceci est un péché. Et tu vas te lever, tu vas te mettre à prier pour que le Seigneur puisse t'aider à combattre ça. Alors qu'avant, tu étais dans l'ignorance. How can you say that you are living a holy life, or that you are delivered, when the demon of Jezebel has taken over you? When the demon of worldliness, anger, lies, jealousy, pride, unforgiveness is controlling your life? You need deliverance. Comment est-ce que tu peux vivre, tu peux dire que tu vis dans la sainteté quand l'esprit de Jézabel a pris place dans ta vie ou l'esprit de ce monde, l'esprit mondain a pris ta vie? Anger. En ce terme que la colère, la jalousie, tout ceci a pris place dans ta vie. Comment est-ce que tu peux vivre dans la sainteté? You cannot say that you live a holy life, but you still have anger in your life. That anger is a demon. It's a demon that is possessing your life. That demon must go. Comment est-ce que tu peux vivre dans la sainteté alors que, ou bien dans une vie de sainteté alors que tu as l'esprit de la colère, alors que nous savons tous que c'est un démon, l'esprit de colère. Cet esprit de colère doit partir. Tu dois chasser ce démon de ta vie. God, darkness and light cannot cohabitate together. They cannot be together. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. For your holiness to be complete, you need a complete deliverance. You need to cast out
all those demons that are manipulating your life, that demon of jealousy, that demon of lie, that demon of anger, that demon of fight, that demon of pride, that demon, that all those sin, behind a sin, there is a demon. You need deliverance. You need total deliverance. Avant que ta vie, tu peux mener une vie de complète sanctification, tu as d'abord besoin d'une complète délivrance avant que tous ces esprits de ce monde, quelle que soit la colère, la jalousie, tout ce qui est mauvais, avant que ça te quitte, il faut que tu aies une complète délivrance. Some of us will wait until God open your eyes in the dream. Then you begin to, you see, you wait until you see yourself in the dream casting out demon before you know that your case is need serious attention. You understand? Until the Lord reveals to you in the dream, you are chasing out demon, how you are casting out demon. Then you wake up and say, ah, Lord, hey, fire, fire, fire. Must you wait until dream comes? Beaucoup d'entre nous vivons dans l'ignorance jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle des fois par des rêves avant que nous puissions nous lever, nous disons « Ah, j'ai besoin de combattre » et nous invoquons le feu de Dieu ou bien le feu du Saint-Esprit et nous levons pour combattre réellement ces esprits. Monsieur, wait until you get to a critical stage. When God sees that this person is not fighting, this person is sleeping, let me use dream to speak to her. Must you wait until that stage? Nous devons savoir que nous sommes endormis jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous révéler ces choses. Puisse nous réveiller. C'est là, c'est en ce moment que nous puissions savoir que vraiment nous devons nous lever pour combattre ces esprits. Est-ce que nous devons attendre que le rêve, que dans le rêve, nous nous voyons en train de lutter contre un esprit pour savoir que on doit combattre? Est-ce qu'on doit attendre que c'est jusqu'à la dernière minute quand le Seigneur nous montre dans le rêve pour qu'on sache que non, on doit combattre jour et nuit contre les démons? You have the fire of God in you. Vous avez le feu de Dieu en vous. But you don't know how to use it. Mais vous ne l'utilisez même pas. Until it's in a dream that you see yourself saying fire, 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 fire. Then you say, oh. Jusqu'à ce que c'est seulement dans le rêve que vous dites le feu de Dieu, feu de Dieu. Must you wait until dream comes before you begin to fight Satan? Vous allez entendre simplement dans le rêve pour voir que ben, vous vous levez dans le rêve pour et combattre Satan. Est-ce que vous devez attendre le rêve avant de combattre Satan? That's what Satan is using our ignorance to torment us. It will make you think that everything is fine when nothing is fine. C'est pour ça que Satan utilise notre ignorance pour nous combattre. Nous croyons que toutes choses vont bien alors qu'il n'y a rien qui va bien. Every sin has a demon attached to it. Every sin. Tout péché est attaché à un démon. A sin in your life, if there is a sin in your life, you need deliverance. Si tu as un péché dans ta vie, donc tu as besoin de délivrance. Holiness is impossible without complete deliverance. Une vie de sainteté est impossible sans la délivrance. For a total deliverance, you must come to the Mount Zion. Mais pour une totale délivrance, vous devez venir sur la montagne de Sion. Amen. Mount Zion means, you know, repentance, complete repentance, accepting Jesus Christ in your life. Mount Sion, cela veut dire totale repentance, accepter Jésus-Christ totalement dans ta vie. Amen. Deliverance is needed in every one of us life. Nous avons tous besoin de la délivrance dans chacune de nous notre vie. That is why you will hear Jesus say, get thee behind me, Satan! Get thee behind me, Satan! That is deliverance! That is deliverance! You must cast out that demon. If you don't do that, the demon is going to torment you. C'est pour ça que vous entendez Jésus crier,
Éloigne-toi de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. If you don't cast out that demon, he will possess you little by little, until he quenches that fire of God in your life. Si tu ne te sépares pas de ces démons, ou bien si tu ne les chasses pas, il va simplement demeurer dans ta vie jusqu'à ce qu'il éteigne le feu de Dieu qui est en toi. When Satan comes to tempt you, cast him out. God has given you the power to cast him out. There is a power in the name of Jesus. Just say, I command you, Satan, you spirit of jealousy, get out from my life in the name of Jesus. Deliverance. You need quand deliverance. Vous avez vous-même, vous pouvez vous lever pour vous délivrer vous-même. Quand il y a l'esprit de jalousie ou bien un esprit qui vient, qui est péché, qui vient en vous, vous devez vous lever et le chasser. Vous allez dire, esprit de jalousie, sors de ma vie ou bien je te chasse de ma vie. You say you don't need deliverance, but you are struggling to live a holy life. This is a matter of conducting deliverance yourself. It's a matter of chasing out that devil, that enemy that wants to destroy you. And you say you don't need deliverance. How can you live a perfect holy life? Comment est-ce que vous pouvez vivre une vie de sainteté si vous n'avez pas une bonne délivrance ou bien une délivrance complète? When Satan was giving proposition to Jesus Christ, Jesus cast him out. He said, get thee behind me. I don't want you on my way. Quand Satan faisait des propositions à Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, éloigne-toi de moi. Je n'ai pas besoin de toi sur ma route. But before deliverance, you must get to Mount Zion. Mais avant la délivrance, vous devez aller sur la montagne de Sion. I want you to understand what is Mount Zion. How do you go there? How do you go to the Mount Zion? J'aimerais que vous compreniez ce que c'est que le Mont Sion. Pourquoi vous devez aller sur la montagne de Sion? How do you get there? You must climb. 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 You climb the mountain. Amen? You have to make up your mind never to go down. Amen. Donc, quand vous montez sur la montagne de Sion, vous serez obligé de monter. Vous devez monter, pas à pas, vous devez monter et vous assurer que vous n'allez pas tomber. That's why in your dream life, when you are getting closer to Jesus, in your dream life, you will see yourself climbing a mountain. Climbing a mountain. Make sure that you don't fall. Make sure that you don't go back. C'est pour ça que quand tu suis Jésus, tu verras dans ton rêve que tu es en train de monter une montagne. Donc, rassure-toi de ne pas tomber. The Mount Zion. The Mount Zion. Le mont. Amen. Le mont Sion. As you are getting closer to God, you are climbing the Mount Zion. When you are repenting, you are climbing the Mount Zion. Amen. Until your deliverance is complete. Hallelujah. Quand tu te rapproches du Seigneur Jésus, tu montes sur la montagne de Sion. Tu es en train de monter sur la montagne de Sion. Quand tu viens aussi pour ta délivrance, tu es en train de monter sur la montagne de Sion. Amen. And when your deliverance is complete, your holiness is sure. Alléluia. It's going to be easy to live a holy life. Quand votre délivrance est complète, donc vous devez savoir aussi que... It is impossible to have deliverance if you don't get to Mount Zion. Donc c'est impossible d'avoir la délivrance si vous ne pouvez pas monter sur la montagne de Sion. He said, upon Mount Zion there shall be deliverance. Many people want to get deliverance without getting to Mount Zion. That deliverance will never be complete. The demon will be just out. The demon will come back maybe sevenfold. Donc beaucoup de personnes, ils veulent la délivrance sans vouloir monter sur la montagne de Sion. Je vais vous dire que les démons vont toujours revenir dans ta vie. For you to climb the mountain, for you to go to Mount Zion, you must be empty, like you must be willing, and all your luggage, you put it aside and you begin to climb the mountain. Climb the mountain. Amen. Climb the mountain. Donc vous devez savoir que quand vous devez monter sur la montagne de Sion, vous devez enlever tous les bagages, tous vos bagages, afin que vous soyez légère. Comme ça, vous pouvez
Simplement monter, monter jusqu'à ce que vous arrivez. That is why I made you understand that for you to get the deliverance, you need repentance, you need Jesus Christ, you need to climb the mountain, you need to get there for you to get your deliverance. C'est pour ça que j'aimerais vous faire comprendre que quand vous avez besoin de la délivrance, vous avez d'abord besoin de la repentance, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin aussi de monter à la montagne de Sion. My sister, I don't want the enemy to let you think that once you are giving your life to Jesus, you don't need deliverance. So you are just climbing the mountain. Deliverance is in the Mount Zion there. You must get to the Mount Zion. Ma soeur, j'aimerais te dire que c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu n'as pas besoin de délivrance. Je vais te dire que tu as besoin de délivrance parce que la délivrance, c'est sur la montagne de Sion avant que tu puisses vivre ta vie de sainteté. Yes. Upon Mount Zion, there shall be deliverance. And what? Holiness, it comes after deliverance. Jesus must deliver you. Hallelujah. So that you can live a holy life. Donc, tu dois savoir que sur la montagne de Sion, tu peux avoir ta délivrance. C'est là que tu peux rencontrer Jésus. Et maintenant, tu peux vivre ta vie de sainteté. Non. Tu as rencontré Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ te transporte là, à la montagne, là où tu vas trouver la délivrance. La délivrance, maintenant, ce sera facile de vivre une vie de sainteté. Amen. Okay. That's why Satan is doing everything for you to ignore deliverance. You don't take it in consideration. Ignorance is a disaster. C'est pour ça que Satan voudrait montrer que non, la délivrance n'est pas nécessaire. C'est l'ignorance. L'ignorance, je vous dis que c'est une maladie. So I see some people when they cast out demons, they will scatter like this. Get out of my life, get out of my life, in the name of Jesus. Every demon, every power, every darkness. The enemy will be laughing at you. See, when the Lord sent Moses to go to Egypt, to tell Pharaoh to let the people of God go, Pharaoh resisted. Even when the Israelites left Egypt, Pharaoh pursued them. My sister, the only language that Satan understands is violence. If you don't cast out that demon with violence, the demon will say, no, I am here. I'm not going anywhere. Vous devez savoir que si vous voulez vraiment chasser un démon, parce que je vois qu'il y a certains, quand ils chassent les démons, ils maintiennent une attitude de froideur. Même vous devez savoir que, par exemple, quand Moïse était parti voir Pharaon pour que le Pharaon libère le peuple de Dieu, Pharaon a résisté. Donc, vous devez savoir que si vous chassez les démons, il y a certains démons qui résistent. Ils ne veulent pas partir. À toi maintenant de résister jusqu'à ce que tu chasses ces démons. The only language, violent, voilà. The only language Satan understands is violence, the language of violence. Donc, vous devez savoir que le seul langage que Satan comprend, c'est la violence. Get out from my life in the name of Jesus. I command you. You speak with assurance. When the demon look at you like this, say, no, this person know what he says, she's saying. Tu dois parler avec assurance parce que le seul langage que le Satan comprend, c'est la violence. Donc, tu dois parler avec assurance. Comme ça, quand les démons te voient, bien quand Satan te voit, il saura que non, cette personne, elle est sérieuse. It is when God open your eyes, you begin to see the demon that is pursuing you. That is the time you see a child of God. In the name of Jesus, fire, 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 fire. When the my sister, our enemy is Satan. These are the enemy we are fighting against. Quand le Seigneur ouvre tes yeux, quand tu vois ces démons, et quand tu t'attaques à lui, et tu dis le feu, tu envoies le feu, le feu, le feu. Ma soeur, tu dois savoir que notre ennemi, c'est Satan. You tu listen, dois le résister. You listen the testimony of Sister Sena. She said, she asked the fire of God, she asked the fire of God, to, she commanded the fire of God to pursue the queen of the coast, Jezebel. Jezebel went and came back. She said she's not going.
The same thing, I saw the queen of the coast, fire of God was coming out, but she was resisting. So if you are praying like this, in the name of Jesus, you said that, the demon will be laughing at you. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Sarah. Elle a dit, quand elle chassait la reine de côte, elle envoie le feu. Elle lui dit, elle lui envoie le feu. La reine de côte était en train de tourner simplement. Après, elle est revenue pour dire que ben, de toute façon, je ne quitterai pas. Moi aussi, je vais vous dire mon témoignage. Quand j'ai vu la reine de côte, je sortais le feu sur lui pour le chasser. Non. Le feu sortait de ma poitrine. Le feu sortait de ma poitrine pour l'embraser. Il n'a même pas bougé. Il dit qu'elle ne partira pas. Donc, vous devez savoir que quand vous allez combattre la reine de côte, vous devez être forte et résister avec assurance. Pas seulement combattre la reine de côte. When we are starting deliverance, when we give a prayer point, we have to battle against the enemy. You must be serious. You must know your enemy. Know that you, in front of you, you have a demon that don't want to let you go. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas seulement la reine de feu. Donc, pour toute délivrance, quand je donne les points de prière, vous devez vous tenir ferme debout et vous devez prier avec assurance. Vous devez prier avec force pour le chasser. I really want us to, before we start, my sister, you must stand up and you must command the enemy. All of us will stand up. All of us will stand up. J'aimerais vous faire savoir que avant que nous commençons, nous devons rester debout. Et moi, j'aimerais vous dire que vous devez rester debout et vous devez prier avec assurance. When you say to Satan, break, you make your hand like this, you break with faith in the, you know, as you are breaking with your hand like this, it's happening in the spiritual realm. You begin to say, break, I break, I cut. You do it like this, and many things is happening in the spiritual realm. Amen. Donc, vous devez savoir que quand vous tenez debout et vous faites la main comme ça, je brise, je coupe, je détruis. Vous devez savoir que vous devez le faire avec assurance et fermeté, avec une force. Et vous devez savoir que c'est spirituellement que ça se passe. Sister, et ça s'accomplisse plutôt. That is why they say, warfare, battle. You don't battle when you sleep. You must be awake. C'est pour ça qu'on a dit, c'est un combat. Tu ne combats pas quand tu te couches ou bien quand tu dors. When there is a battle in going up in any area of your life, you need to fight. You need to fight back. Vous devez savoir que si le combat, vous êtes dans un combat, vous devez vous tenir vous tenir ferme et faire face à ce combat. I really thank God for God to open my eyes to see my enemy. Je remercie Dieu de m'avoir ouvert les yeux pour que je puisse voir mon ennemi. When I just started my work on Facebook, when God began to touch the life of so many people on Facebook, I was in my bed sleeping. Quand j'ai commencé avec Facebook, j'ai commencé mon travail par Facebook. Le Seigneur a touché beaucoup d'âmes par rapport à mon Facebook. Donc j'étais simplement un jour dans ma chambre, je me suis couché. As I was sleeping, it was around I don't maybe 5 p.m. something like that. Then God opened my eyes, I saw a man enter my room. Donc, comme je suis couché sur mon lit en train de dormir, aux alentours de 5h, 17h, j'ai vu simplement un homme qui est rentré dans ma chambre. The man entered. He was a young man, like 31 to 35. L'homme est rentré dans ma chambre. C'est juste un jeune homme, à peu près 30, 31 ans. I was sleeping. Je dormais. But I was seeing the man in front of me. Mais je voyais la personne, l'homme qui se tenait debout devant moi. And then he made his hand like this. He stretched out his two hands.
Donc, Il a avancé ses deux mains. Il pointait ses deux doigts. Ses deux mains. Les deux mains plutôt. Les deux mains. As I was sleeping, the two hands, he was standing before me, and the two hands was facing me. And I was in a bed like this. Donc, puisque j'étais couché sur mon lit, je voyais la personne avec ses deux mains. Il pointait les deux mains juste devant moi. But he was standing, and me, I was on my bed. He was standing and pointing his two hands against me like this. Donc, moi, je m'étais couché. Lui, il était debout et il pointait les deux mains sur moi quand moi j'étais couché sur le lit. His mouth was uttering and doing incantation, and there is something like a green light coming from his hand. And the thing was coming towards my chest, and I was sleeping like this. J'ai vu que il est en train de prononcer des incantations, et il y a quelque chose comme une bave verte qui sortait de sa bouche. Non, de ses mains, comme un rayon solaire. Un rayon qui sortait de sa bouche, et cela tombait sur ma poitrine. And I was looking at him, I'm just stood like this. A voice said, Claire, stand up, fight! Donc, pendant que je le regardais, j'ai entendu une voix qui me disait, Claire, lève-toi et combat. Why the Lord did not send angel to fight for me? Why God wants me to stand up and fight? Pourquoi Dieu ne m'a pas envoyé un ange pour combattre pour moi? Pourquoi il voudrait que je me lève et que je combatte moi-même? I stood up. Je me suis levé. I said, who sent you here? Je lui ai demandé, mais qui t'a envoyé ici? He said, I was sent to come and kill you. You will die. Il a dit, on m'a envoyé pour te tuer, pour que tu meurs. Then he stretched his two hands against me again like this. Il a encore pointé ses deux mains sur moi. Me, myself, I took my two hands and stretched my two hands against him. It was like, you know, like you see in the movie, two powers against another power. Two of us, amen. Like that. Donc moi aussi, je me suis levé avec mes deux mains, je l'ai pointé vers lui. Comme vous voyez dans les films, donc c'est deux pouvoirs qui se rencontrent. But the power that was coming from the palm of my hand was more powerful than his own. Praise the Lord! Amen. Donc le pouvoir qui sortait de ma main était plus puissant que le pouvoir qui sortait des mains de cet homme. As I do like this, he did it. Aïe, 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 aïe. And he go down. He knelt down like that. Amen. Donc quand j'ai pointé mes deux mains sur lui, j'ai entendu la personne qui a crié et il est tombé par terre. Then I asked him, what is your name? Et je lui ai demandé, quel est ton nom? He gave me his name. Il m'a donné son nom. But the mistake I did, I repeat that name, and there is power in his name. Then his name make him stood up. Ah, mais l'erreur que j'ai fait, quand il m'a donné son nom, j'ai répété son nom. Je savais même pas qu'il y avait un pouvoir dans son nom. Quand j'ai répété son nom, il s'est encore levé, tenu debout. When he stood up, he stretched his hand again. He said, "Satan, don't give up." He doesn't give up. When he's coming, he already know that the best man going to fight. Quand il s'est réveillé, il a pointé ses deux mains sur moi. Quand il s'est relevé, il a encore pointé ses deux mains sur moi. Vous devez savoir que Satan, il ne recule pas facilement. He already know who you are. He know that you have fire of God in you, but he want to make sure that you are ignorant. He use your ignorance to fight you. Vous devez savoir qu'il sait qui vous êtes, mais il utilise votre ignorance pour vous combattre. So he stood up and he stretched his hand against me. Two of us. Again, once again, I did like this, he did like this. Donc il s'est relevé, il a encore pointé ses deux mains sur moi. Moi aussi, j'ai mes deux mains qui étaient en train de pointer vers lui. My sister, you hear people go to bed, they don't wake up. That was the day I was supposed to die. But Satan did not succeed. Mes soeurs, vous entendez les gens quand ils se couchent la nuit, le matin, ils ne se réveillent pas. Je crois que c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour que je puisse mourir.
But the fire that was coming from my hand was so powerful. Mais le feu qui sortait de ma main était tellement puissant. And again, he knelt down. Et une deuxième fois, il est encore retombé par terre. Then I said that before you leave this my room, you are going to give your life to Jesus. Et je lui ai dit, avant que tu quittes ma chambre, tu dois donner ta vie à Jésus. And then I said, repeat after me, Jesus. Et je lui ai dit, tu répètes après moi, Jésus. He began to say, Jesus will not come out. Il a commencé à faire, il ne pouvait pas parler. That is how I command the fire of God to chase him out. He was running as if somebody, that fire is so powerful, but people don't use it. Many Christians, they don't use it. They don't use that weapon. Donc après cela, j'ai invoqué le feu sur lui. Vous devez savoir que le feu de Dieu, c'est puissant. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent même pas le feu du Saint-Esprit. So Satan use ignorance to put people in bondage. Donc Satan utilise l'ignorance pour pousser les gens dans... Dans la cage. Dans la cage, voilà. So, you know, before it was only priest who can read the Bible in Latin. You know, common men could not read the Bible. Only priest was able to read, can read the Bible. Other people cannot read the Bible. Vous devez savoir que simplement, avant, vous devez savoir que simplement, Les prêtres seuls peuvent lire la Bible. Ils n'autorisent à personne de lire la Bible. Il n'y a que les prêtres qui peuvent lire la Bible. Satan was able to deal with people until a man came. His name was John Wycliffe. He came and translated the Bible in English. Then the eyes of people began to open. Donc avant, c'était comme ça que Satan a mis les gens dans la cage. Il n'y a que les prêtres qui lisaient la Bible. Jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle John Wesley, je crois, qui est venu, il a traduit la Bible en anglais pour que la Bible soit accessible à tout le monde. Do you know what happened to this man? They killed him. They burned him. Because when Satan knows that you want to preach the truth, he must kill you. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme? Ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que si vous avez la vérité, Satan sait que vous avez la vérité en vous, il va chercher à vous tuer. Satan want me to stop this work. The moment I stop this work, I am telling you that everything is finished. Because I've seen, it's just waiting for me to say I give up. Then everything is finished. Satan voudrait que j'arrête ce travail. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voudrait simplement que j'arrête. Mais je vais vous dire la vérité. Si c'est que j'arrête, le jour où j'arrête ce travail, tout sera fini. The enemy want to keep people in bondage. L'ennemi veut tuer les gens dans l'ignorance. That is why he will teach people, he will fight those dans les esclavages, That's why he will fight people That's why he will fight people that preach the truth. C'est pour ça qu'il combat tous ceux qui prêchent la vérité. He will fight ministry that preach deliverance. Preach holiness. Il combat tous les ministères qui prêchent la sainteté ou bien la délivrance. Le message de la sainteté ou bien le message de la délivrance. Now, what is deliverance? You hear deliverance, deliverance, deliverance. What is deliverance? Mais chaque fois vous entendez le mot délivrance, délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Deliverance is when an unclean spirit is expelled from a person, from a thing, from a place. Yes. When you chase out an unclean spirit from a place, from somebody, from a thing, that is deliverance. La délivrance, c'est quand tu chasses un esprit impur de la vie de quelqu'un, ou bien tu chasses un esprit impur de ta vie. C'est ça la délivrance. And the worst thing is when you don't know you need a deliverance. Oh!
When you don't know that you need a deliverance, my sister, I am telling you, Satan will begin to manipulate you like slippers. You understand? Like, you know, you if you go left, you go left. You go right, you go right. Because you don't know your whereabouts. Donc, vous devez savoir que si vous ne connaissez pas ce que c'est que la délivrance, Satan va simplement vous manipuler. That is why even your dream life is complete. It's different from your the real life. Please, let's mute our mic. Please, we are in the presence of God. Mute your mic. Amen. Amen. So, deliverance is to break the chains of wickedness. La délivrance is to break the chains of wickedness. La délivrance est briser les chaînes de la méchanceté. When a wicked chain holds somebody tightly, you need to command that chain to be broken. Amen. For that person to get loose. Yes, that is deliverance. Donc, quand vous voyez quelqu'un enchaîné, tout ce que vous allez faire, c'est de commander à ce que ces chaînes se brisent. C'est ça, la délivrance. When you call, you see a woman that is pregnant and you say deliverance, she's going to deliver. The moment you are delivering, you have to say push. You have to push with all your strength. And then the baby will come out. Deliverance. You understand? Vous voyez qu'une femme enceinte, c'est la même chose. Quand la femme enceinte, elle est enceinte et le jour où elle va accoucher, on dit qu'elle va délivrer. Donc, elle pousse de toutes ses forces. Elle met toutes ses forces pour pouvoir délivrer le bébé. Yes. Hallelujah. Here in this world, amen, there are many people who have been held down to the hinder the position of people by putting them under bondage. They are just there. They are evil workers. They are there to destroy the life of people. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Ils ont simplement mis les gens en cage parce qu'ils veulent simplement détruire les gens dans leur ignorance. Mm-hmm. You know, they will rub all kind of thing on their body, on their face. They will swallow things before they go to work. They will just because they want a position, just because they want to destroy that man, so that they will take the place of that man. Donc, vous devez savoir que il y a certains, même avant d'aller travailler, ils doivent prendre un peu de poudre par-ci pour boire ou bien avaler des choses. Juste pourquoi? Parce qu'il veut prendre la place de la personne ou bien il veut simplement prendre cette position. Now, when you break that kind of hold, it means it is called deliverance. Donc, quand vous brisez ces genres de chaînes, c'est ça qu'on appelle délivrance. Alléluia. Amen. My brother, my big brother, his name is Atongo Majina. My brother is somebody that is very educated. Mon grand frère, c'est quelqu'un qui est très éduqué. Even the way he speaks English, the way he speaks, he studied letters. He speaks different language with a sweetness. When he speaks, French is so easy for him to speak. English is so speaking easy. Latin, he speaks Greek. He speaks all this language. Very, very clever man. Donc, vous devez savoir que mon grand frère, c'est quelqu'un qui est très instruit. Quand il parle beaucoup, il parle beaucoup, plusieurs langues. Même quand il les parle, il les maîtrise très bien. The way he speaks French is so sweet. He speaks with... It makes you... When you speak French, you want to hear him speak. When he speaks a language, it's somebody that God has given him wisdom. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné la sagesse. Il parle plusieurs langues. Ils peuvent changer tout et chaque fois ils chantent des langues plusieurs fois à la fois. But if a God, my brother will go and look for work, they will take everybody, they will never take him. Even for work for gate man, they will take somebody else, they will reject him. I say when my brother go and look for work, they will take everybody, they will reject him. Donc, mon frère, là, quand il va chercher du travail,
il ne trouve jamais du travail. Tout le monde qui va avec lui, on prend tout le monde, mais on le laisse. Even the job of Gateman, they will take that poor man in the village. My brother, they will not take him. Même quelqu'un qui ne connaît rien, on le prend et on laisse mon frère. So my brother became like a laughing matter. They say, look at that man that went to school. Is he not the one that is drinking alcohol? My brother become, you see, you know, when you are instructed, you went to school and then there's no, you are looking for a way out. There's no way out. He began to drink alcohol. Donc mon frère, ce qui lui est arrivé, c'est que puisqu'il a fait de grandes études et il n'arrive pas à trouver du travail, il a commencé à boire de l'alcool. He began to drink alcohol. Il a commencé à boire de l'alcool. Until the day I gave my life to Jesus. Jusqu'à ce que un jour, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Sister Jessica, please be muting your mic. Your mic is making a lot of noise. Thank you, ma'am. Mm-hmm. I gave my life to Jesus. I say enough is enough. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai dit assez, ça suffit, assez c'est assez. I say, my brother, I cannot be here in Europe. I send you money because what you have in you, you can take of yourself. What you need is come to Jesus. Let us go together to Jesus and pray. Break the yoke. Amen. Donc ce que j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, je peux pas rester ici et t'envoyer tout le temps de l'argent. Ce que tu as besoin, c'est que toi-même, tu te lèves. Maintenant, tu vas accepter Jésus pour briser cette malédiction. You see, my brother, he always like to laugh. He said, I'm ready, oh, mama, I'm ready. Anything you want, let us. You know, it's like that. Free is very free, very free. So we went, he gave his life to Jesus. We went into prayer and fasting. Donc mon frère, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est vraiment facile. Il est ouvert. Donc il a accepté et il a donné sa vie au Seigneur Jésus et nous avons commencé à prier et à jeûner. My brother, he always say ma, that's why he call me ma, hey ma. He's very simple. He doesn't get angry. He's always smiling. When we went into prayer and fasting. Nous avons commencé à prier et à jeûner. We begin to break the yoke. Begin to break the yoke. I am telling you, after we finish, my brother got the job. The kind of job that he can pay his transport. Cameroon, come here, Africa. Amen. Donc, nous avons commencé à jeûner et à prier pour briser cette malédiction. C'est comme ça que nous avons commencé à prier. Et moi, je vous dis, à la fin de ce jeûne et prière, mon frère, il a tout de suite trouvé un travail. Ce n'est pas n'importe quel travail. Un travail où, avec un seul salaire, il peut faire tout pour même acheter son bien et venir ici. My brother, get this kind of work. My brother will be sitting in the office like this, controlling things. How come? Only Jesus. Somebody said to him, how do you do this? This kind of job, only people that visit Juju people can get this job. He said, look, if you want to get this kind of job, go to Jesus, only him. And when I am, no power will take me out of here. Amen. Donc, mon frère, quand il s'assoit dans son bureau, il y a certains qui sont venus, ses amis qui sont venus, dit, ah, comment se fait-il que toi, tu as trouvé ce travail? Où est-ce que tu es passé pour trouver ceci? Nous, on ne croit pas. C'est quelqu'un qui n'est pas passé par les charlatans, il ne peut pas trouver, ou bien les jugements, il ne peut pas trouver ce travail. Lui, il leur dit tout simplement, c'est Jésus qui m'a donné ceci. Et personne ne peut me l'arracher. Amen. Alléluia. Deliverance is destruction of satanic yoke. Amen. Donc vous devez savoir que la délivrance, c'est ça qui détruit les prisons de Satan. Yoke. What is yoke? Malédiction. Juge satanique. Juge. Juge satanique. Voilà. Mm-hmm.
Yoke is something that ties two animals. You see, two animals, I think Muslim people, they like to put two animals, yoke between two animals. You understand? Mm. They work together. Any movement, they work together. They call it yoke. That is a something that ties the two animals together. Amen. Donc, le joug, c'est quelque chose qui retient les deux animaux qu'on utilise souvent dans les champs. Uh-huh. You know, the movement of one depends on the cooperation of the other. It means that if I decide to walk, to do like this, to slow down, the other animal will slow down. Amen. Donc, le jour que c'est quelque chose que quand tu maintiens les deux animaux, ils doivent aller à la même direction, les mêmes gestes. Amen. So, yoke is a very terrible thing. Donc, le jour que c'est quelque chose qui est terrible. Yoke will slow your progress. Vous devez savoir que le jour que c'est quelque chose qui ralentit même ton progrès. You need to break that yoke. That is what the Lord told me. C'est clair. Stand up and fight. Donc tu dois savoir que tu dois briser ce joug. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, Claire, lève-toi et combat. It is not Christian. They like to sleep. They will say, Angel of God, fight for me. They will be sleeping, snoring. Donc les enfants de Dieu, vous ne devez pas vous coucher. Si c'est certain, ils vont simplement se coucher et dire, oh, ange de Dieu, combat pour moi. Lazy people, God, if you are a soldier, you call yourself a soldier. You are a soldier. You are sleeping. The angel of God to fight for you when you are sleeping. They are there to protect you. They are there to help you. When you say fire of God, sword of God, they will provide it and give it to you. You are the one to fight. Amen. Donc vous devez savoir que vous êtes des soldats. Vous ne pouvez pas dormir. Ce n'est pas les anges de Dieu qui vont combattre pour vous. Vous êtes des soldats. Vous devez vous tenir ferme, rester debout et combattre. The Lord vous avez told me, besoin de combattre. The Lord told me that laziness is a sin. If you are a lazy child of God, your deliverance, you will never get it. Demons will make sure that they torment you. Le Seigneur m'a dit que la paresse est un péché. Si tu es paresseux, tu ne peux pas avoir ta délivrance. Les démons vont te combattre. What is deliverance? Deliverance is removal of curses, removal of spells, of another one they call jinxes. You remove them. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance, c'est se séparer ou bien enlever de ta vie les malédictions, enlever les péchés, le joug. Enlever et briser les chaînes, tout ce qui est qui suit quoi. You know, one day I went to visit my mom, you know, in the village. There is a lady. They say suddenly, her breast just began to grow up, to become big, 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 big. The breast became enormous until she died. That is a curse. Mm. That is a spell they put on somebody. Donc, je vais vous dire que il y a une fille. Quand je rends visite à ma mère au village, il y avait une fille là-bas. La fille, elle avait la poitrine qui s'enflait jusqu'à ce qu'un jour, elle meure. Ça, c'est une malédiction ou bien, oui, une malédiction qu'on a prononcée sur lui. Yes. A woman was eating, but the food was never entering her stomach. She would eat. No matter the quantity of food she took, she would complain of hunger. You know, somebody issued a curse on her. And that curse began to work against her. Il y a certains, ils mangent, mais ils ne se rassasient jamais. Donc, même quand ils mangent beaucoup, on ne voit rien, ils ne se rassasient pas. Ça aussi, c'est une malédiction. And be careful of what you say against your children. When a child is stubborn, you say, you will be a prostitute. Do this one. Et vous devez aussi... Faites très attention à tout ce que vous prononcez à l'égard de vos enfants. Ne dites jamais à un enfant, toi, tu vas devenir une prostituée. You will be nothing in life. Where you will be, no man will love you. No woman will love this. You see, that thing is a curse.
Ne dites jamais à ton enfant, toi, aucune femme ne va t'aimer. Toi, tu ne seras rien dans ta vie. Toutes ces choses-là, c'est des malédictions. Because the demons are just waiting for such thing to pass into action. You cause, they take it. They will put the blame on you, eh? But they will take the cause and work it against your child. Donc, il y a des démons qui attendent simplement que vous sortez de telles paroles dans vos bouches et ils vont le prendre pour commencer à travailler dans la vie de vos enfants. Deliverance. Deliverance is a spiritual cleansing of an environment. La délivrance, c'est le nettoyage spirituel de tout votre environnement. When you get into a new city, a new town, before you enter the town, command the power of that town to be silenced. Every child of God, you must do it. Quand tu arrives dans un endroit, dans un nouveau quartier. Donc, si tu es vraiment un enfant de Dieu, ce que tu dois faire, tu dois commander à ce que l'esprit qui règne ou bien qui est assis dans ce quartier de se taire, de faire silence. Tout enfant de Dieu doit le faire. That is what they told me and I put it in action and it works. C'est comme c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce que j'ai fait et je vois que ça marche. I just moved into this new city, this new place, street. And in front of that street, there is a demon, the demon of Mary. They say it's Mary, the mother of Jesus. Everybody that get inside that is like inside that the English. There is a gate inside their houses that people are renting. So my house was inside, but at the gate there is a statue of they say it's the mother of Mary. You understand? Mm-hmm. And everybody bowed before that statue. They put flower, they put candle, they put. So me, I was supposed to rent a room in that a house in that area. Amen. Donc quand j'avais aménagé dans mon quartier, dans mon nouveau quartier, il y a une place. Ils ont fait une statue comme la statue de Marie. Donc quand vous voyez en dessous de cette statue, les gens viennent déposer des fleurs, ils viennent déposer des offrandes. Donc, ils l'ont fait comme si c'est... Et la statue, c'est ça qui gardait la porte de ce quartier. So, donc, when I enter, before I enter, I began to bind the power that is manipulating the life of people there. I began to bind them. I began to destroy. I began to break any... I sent fire. That very night, Satan came to attack me. Donc, quand moi, je suis rentré dans ce quartier, ce que j'ai commencé à faire... C'est de commencer à lier cet esprit. J'ai commencé à lui envoyer le feu, à le détruire. C'est ce que j'ai fait avant de m'installer là-bas. That very night, I entered the house. Me and my children. When we finished to clean up, I went to sleep. I said, let me rest. I saw Satan. He appeared before me in black. He said, you, in this place. Donc, le même jour que j'ai aménagé là-bas, j'ai fait tout, j'ai nettoyé tout. Et quand j'étais fatiguée, moi et mes enfants, nous sommes allés se coucher. J'ai vu apparaître Satan dans la nuit. Il est venu me dire, toi, encore ici? You in this place? You can see anger, hatred in his eyes. Toi, encore dans cette place, vous allez voir son visage avec la colère qui sortait de son visage. When I saw him, quand je l'ai vu, I said, let the fire of God, before I finish God like this, he jumped from the window like this, the window break, boom. Donc quand je l'ai vu, je me suis levé et j'ai commencé à invoquer le feu sur lui. Il a seulement sauté par la fenêtre, il a cassé les vitres, il est parti. My sister, when you exercise yourself, your body, your soul for deliverance, even in the dream, you will have victory. Amen. Même si vous vous voyez dans les rêves et vous avez gagné dans un combat, vous devez savoir que vous avez la victoire. Non. When you assist, when you do deliverance, when you cast out demons, the demons that are fighting your spiritual life, when you know them and you fight them even in the dream,
you will have victory. Donc, vous devez savoir que quand vous êtes en train de, dans la délivrance, et vous, dans votre rêve, vous voyez que vous avez un démon, et vous commencez à les briser, même quand c'est dans les rêves, vous avez déjà la délivrance, vous avez déjà la victoire dans cette délivrance. Je vais dire que physiquement, quand vous êtes engagé dans la bataille spirituelle, même dans le rêve, vous aurez la victoire. Amen. So, amen. Deliverance. What is deliverance? Deliverance is removal of witchcraft load from the head of people. Yes. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance, c'est enlever le pouvoir les cargaisons, enlever toutes les loads, les charges. Les charges démoniaques, les bagages démoniaques sur la tête des gens. Because Les fardeaux. Uh-huh. Witches put loads on people's heads. If God open your eyes, you will see all these things. You will see people with luggage like this. Luggage. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir les fardeaux sur la tête des gens. Donc la délivrance, c'est enlever ces fardeaux ou bien ces charges dans la vie des gens. That is why you will hear somebody will say, every honor of evil load. Oh yeah, carry your load in the name of Jesus. Tout propriétaire des fardeaux sataniques. Prends des fardeaux et va-t'en au nom de Jésus. Portez vos bagages. Portez vos bagages. C'est pour ça que tout satanique dit portez vos bagages. Non, pas satanique. That is why somebody will pray. Voilà pourquoi quelqu'un va prier et dit que every owner of evil load, carry your load and go. Amen. Donc vous allez prier maintenant, on va prier. On va dire, tout propriétaire de bagages, reprenez vos bagages. Amen. Amen. C'est ça. Un soldat. Nous sommes les soldats. Nous sommes là pour combattre ces démons qui luttent contre nos âmes. We are soldiers. We are there to fight those demons that are waging war against our soul. They hate us. They want to make sure that we don't make heaven. So we are soldiers. We must be spiritually alert. We are fighting a battle until we get there. Nous sommes des soldats. Nous devons nous lever dans ce combat parce que eux, ils s'assurent que nous ne rentrerons pas au ciel. Donc, nous devons nous lever dans le combat et s'assurer que nous gagnerons le combat. A woman, when they pray this prayer, un jour, une femme a prié, fait cette prière. Every honor of evil Lord, carry your Lord in the name of Jesus. Amen. And she was praying with violence. Carry your Lord, carry your Lord. This woman was having a problem. When she could not see her menstruation, and she was fed up. Il y a une femme qui avait fait cette prière une fois. Elle a commencé à crier. Toute propriété de bagages. Reprenez vos bagages au nom de Jésus. Parce que le problème de cette femme, c'est que elle ne pouvait plus avoir ses menstruations, voilà. So as she was praying, God opened her eyes. Quand elle a commencé à prier, Dieu lui a ouvert les yeux. She saw an old woman standing before her. Elle a vu une femme, une vieille femme qui se tenait devant elle. And the woman was holding a dirty luggage. La femme a porté une bagage et un fardeau sale. And the angel of God was standing the other side, and the angel of God was angry against this old woman. Et l'ange de Dieu se tenait de l'autre côté. L'ange de Dieu était en colère contre cette femme. As the sister was praying, the angel of God told the woman, carry your load, go. Quand la sœur est en train de prier, l'ange de l'Éternel a dit à cette femme,
Prends ton fardeau et quitte. And the old woman said to the angel, no, I am not going. Et la vieille femme a dit à l'ange de Dieu, non, je ne partirai pas. How can you fight me? I am dead. Pourquoi tu veux me combattre? Je suis mort. You know, and why this thing was happening? While they were doing this, the sister was praying with anger. Quand cette femme priait, elle priait de tout son cœur. Elle criait, tout, tout propriétaire de bagages, prenez vos bagages et quittez. And her prayer was having effect, you know, was having effect in the spiritual realm. Sa prière qu'elle avait adressée, cette prière avait effet dans le monde spirituel. Because I told you that the only language Satan understands is violence. Parce que je vous ai dit que le seul langage que Satan écoute, c'est la violence. So when the angel told this woman, she said, the angel said, carry your load, go. Donc quand l'ange de l'Éternel a vu cette femme, elle a dit à l'autre femme, prenez votre bagage et quittez. The woman said, no, I am not going. How are you fighting me? I am a dead person. How can you fight me? Cette vieille personne a dit à l'ange de Dieu, pourquoi tu me combats? Je suis une vieille personne et je suis quelqu'un qui est mort déjà. Ne me combattez pas parce que je suis mort. Then the angel of God said, I did not ask you whether you are dead or alive. I don't want to repeat this the third time. What I'm telling you, carry that evil load, go! L'ange de Dieu lui a dit, je ne voudrais même pas savoir si vous vivez ou vous êtes morte. Tout ce que je te demande, c'est de prendre tes bagages et de dégager. And then she carried the load. Like, see, the devil, when the demon wants to go, she carried it, the load like this, sluggish, you know, slowly, you know, and begin to walk away. C'est comme ça qu'elle a pris ses bagages et tout doucement, vous savez, quand Satan quitte votre vie, elle s'en va tout doucement, jusqu'à ce qu'elle est partie. Instantly, the blood began to drip from the woman's leg. That was deliverance. Hallelujah. Et c'est comme ça que le sang a coulé de cette femme. C'est voilà sa délivrance. What happened is an evil load was placed on her womb. She could not have menstruation. Donc cette yes. Un fardeau était placé dans le ventre de cette femme. C'est pour ça qu'elle ne peut même pas avoir ses menstrues. So when that is why you must pray. You must pray with the holy anger. You must command that evil power to get out from your life. C'est pour ça que vous devez prier. Vous devez demander, vous devez prier avec colère en demandant à cet pouvoir démoniaque de quitter votre vie. You command that evil lord that is blocking your progress, blocking your health, blocking your marriage, command that evil lord to go. And you will go. Donc vous allez commander à tous ces jougs qui sont en train de bloquer votre mariage, de bloquer vos vies. Vous allez les commander de partir. And when that evil load go, then miracle will come. There can only be miracle when the evil is gone. Hallelujah. Amen. Donc c'est à partir du moment où ces bagages ou bien ces jougs quitteront votre vie que vous allez voir que les miracles vont venir dans votre vie. So that sister later found out that the woman who was fighting her was a grandmother who died when she was still in the womb. Donc cette femme, elle a appris que la personne qui la combat, c'est sa grand-mère qui était morte déjà. The grandmother caused her. The grandmother caused her when she was still in the womb. La grand-mère l'avait maudit avant de mourir. And she was still this lady was still in her mother's womb when her grandmom caused her.
Cette femme était encore dans le ventre de sa mère quand sa grand-mère l'avait maudit. And when she came out, she came when she was born, that curse stayed on her life until she was 37 years old. For 37 years. Donc quand elle était née jusqu'à l'âge de 37 ans, c'est là que cette malédiction a commencé à bloquer sa vie. Non. The curse broke upon her life until 37 the day she okay. received deliverance. Donc la malédiction a marché dans sa vie, a été effective dans sa vie jusqu'à l'âge de 37 ans. You know, deliverance. Deliverance is uprooting evil seeds planted by the enemy in your life. That is the work of the enemy. He's expert. He is an expert of planting evil seed in people's life. That is the work of the enemy. Mm. Donc, la signification de délivrance, c'est guérir tout malade. Non, uprooting, arracher tous les mauvaises. Arracher tous les mauvaises choses les qui mauvaises sont racines, placées. Les mauvaises graines. Ça, les mauvaises graines qui sont placées. Ah oui, déraciner toute mauvaise graine qui est plantée en vous. Mm-hmm. That is deliverance. Deliverance is removal of satanic embargo. You understand? Satanic embargo. There is an embargo that is stopping a person from moving forward. Instead to move forward, you are going backward. You need deliverance. Mm-hmm. Donc la délivrance, c'est enlever les choses qui te bloquent. Au lieu d'avancer, chaque fois tu restes simplement à un niveau en tournant en rond. Donc, tu as besoin de délivrance. So, who needs deliverance now? That is my question to you. Maintenant, qui a besoin de délivrance? C'est ça ma question. It is not only witches and wizards who need deliverance. Everyone needs deliverance. The deliverance is different form of deliverance, but it's deliverance. You need it. Mm-hmm. Donc, qui a besoin de délivrance? Ce n'est pas simplement les sorciers ou bien ceux qui sont malades. Non, tout le monde a besoin de délivrance, même si ce n'est pas les mêmes délivrances. Donc, nous avons tous besoin de délivrance, quel que soit le cas de délivrance que nous avons besoin. Instead of moving forward, you are moving backward. You need deliverance. Au lieu d'avancer dans ta vie, tu es en train tout le temps de reculer. Qui a besoin de délivrance? You know, in your dream, you always fight, fight, fight. They will beat you. They will always fight, fight. People pursue you. You need deliverance. Dans tes rêves, tu es tout le temps en train de combattre. Et des fois même, ils te gagnent dans tes combats. Tu as besoin de délivrance. Because what happened in the days, happened in the night. The demon that are tormenting you in the days, your spirit will begin to suffer it. Vous devez savoir que ce qui vous arrive dans la journée, c'est la même chose qui arrive la nuit. Donc, tous ceux qui vous combattent dans la journée, ils attendent simplement la nuit pour encore recommencer à vous combattre. So, what your body suffer, your spirit will suffer it. Donc, si votre corps est en souffrance, votre esprit aussi sera en souffrance. In the dream, you see yourself, sex in the dream. You are sleeping with a man. You have a spirit husband. Si dans le rêve, vous voyez que vous êtes en train de faire des rapports sexuels, ça veut dire que vous avez un esprit mari ou esprit femme. Vous avez besoin de délivrance. You notice that you are somebody that talks too much. You can speak 200 words per minute. You need deliverance. Si tu vois que dans ta vie, tu es quelqu'un qui parle beaucoup, trop, donc tu as besoin de délivrance. You can speak 200 words in a minute. You need deliverance. Tu parles 200 mots à la minute. Tu as besoin d'être délivré. In the dream, you see dead people. You need to pray. You si yes. Dans tes rêves, tu vois les morts. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de prier. You hear strange voice. You see things that are not normal. You need deliverance. Si tu entends des voix bizarres ou bien tu vois des choses étranges, tu as besoin de délivrance.
You confess, you go back in that sin. You confess, you go back in that sin. You say, Lord, forgive me because I am a liar. After tomorrow, you lie again. The demon of lying is tormenting you. Instead, you chase that demon away. The demon is, hey, you finish to confess. Stand here. Eh? The demon is possessing you. Demon is commanding you. Instead, to open your mouth and chase that demon out. You need deliverance. Si par exemple, tu es quelqu'un, quand tu pèches aujourd'hui, tu confesses, et demain, tu retournes encore dans les mêmes péchés. Tu as besoin de délivrance parce que le démon ne part pas. Il est simplement là à te regarder et à te posséder de nouveau. Donc, tu as besoin de délivrance. Until you make up your mind and you chase that demon out. When you confess and you say, demon, you, from now on, I command you in the name of Jesus, come out of my life. I separate myself from you forever in the name of Jesus. Jusqu'à ce que vous confessez publiquement et vous chassez ces démons après avoir confessé. C'est là que vous chassez le démon et vous vous séparez définitivement de ces démons. You know, now, for you to get deliverance, you need to surrender your life to Jesus. Avant de recevoir votre délivrance, vous avez besoin de donner votre vie totalement à Jésus. By doing this, my sister, my brother, you are creating a chaos. Like, you know, in the kingdom of darkness, the day you give your life to Jesus, they are aware that something has happened in the life of this person. They know. Donc, vous devez savoir que dans le monde des ténèbres, la première fois que vous avez donné votre vie à Jésus, ils savent tout de suite qu'il y a quelque chose qui doit arriver dans la vie de cette personne. They ils are afraid because, but the only thing, you understand, they want to know whether you know the power you have. They want to know if you know that they exist. They want to know. Donc, ils ont peur de vous une fois que vous donnez votre vie à Jésus. Mais ils veulent savoir simplement, si vous savez réellement le pouvoir que vous avez en, vous avez en Jésus. C'est ce qu'ils attendent de savoir. Then they will come like this, they will do like this. They will do, when they say you are afraid, they say, hey, she's afraid. Hey, they touch again, hey, she's afraid. She has ignorance, they begin to manipulate you. Like football. Like donc, par exemple, ils viennent. Quand vous dites, ils entendent, quand vous parlez, vous dites, oui, j'ai peur. Ils disent, ah, elle a peur. Donc, chaque fois, ils vont simplement vous manipuler. They will shoot you like ballon. They will say, Dima, that one, take it. Oh, yeah. You, want, oh, yeah. You know, you have your armor. You have your sword. The sword will fall. This one will fall. You don't know how to use it. Ils vont simplement vous trimballer comme un ballon de gauche à droite. Ils vont simplement vous trimballer parce qu'ils savent que vous êtes ignorant. You have a gun. You have bullets. All you need to do is to shoot. You are just there like this with the bullet. The demon will come and beat that gun like this. To throw the gun. Look at this ignorant one. You know? Donc, ils vont simplement vous regarder. Oh, ben, dis donc, elle est tellement ignorante. Donc, ils vont simplement prendre le ballon et l'envoyer et le rouler de part et d'autre. Ignorance can kill. There's a sister that I know. She was staying in this country. She don't ask asylum, but she want paper. I say, my sister, how will you get the paper if you don't go and ask asylum? Go and tell the truth. This sister went to ask. They called me. I think I want this sister to come and testify. She has gone to ask asylum and she told them the very truth. They gave her paper. You see, ignorance was keeping her under bondage. Donc, vous devez savoir que l'ignorance te garde dans une cage. Il y a une sœur, elle est venue, elle voudrait avoir des papiers, mais elle ne peut pas aller au service là où on devait s'enregistrer. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire ça? C'est l'ignorance. The day she went to ask asylum, it did not stay for a long time. They gave her paper. Le jour où elle était partie, ça n'a même pas pris longtemps. On lui a donné ses papiers. But Satan was putting her heart. Say, don't go. They will reject you. If you tell the truth, if you tell only the truth, they will not give you paper. She was afraid, and the enemy was keeping her
under bondage, and her holiness was difficult. You see, when Satan keep you in bondage, it's difficult to live a holy life until you stand up and fight the enemy. Donc, vous devez savoir que Satan, quand il te prend en cage, c'est très difficile pour toi de vivre une vie de sainteté jusqu'à ce que le jour tu te lèves pour le combattre. Yes. You know, when Satan knows that you are ignorant, that is when he will begin to use your ignorance to draw you back. Quand Satan sait que tu es ignorance, il utilise cette ignorance pour te faire retourner à tes péchés. Like for instance, this is the Bible. By the grace of God, I can read, I can write. So if I open any Bible verses, amen, I will understand. And it's going to be difficult for Satan to deceive me because I can read. Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est que je sais lire, quand j'ouvre n'importe quel verset, je peux le lire. C'est pour ça que c'est difficile à Satan de me décevoir. But somebody that does not read and illiterate. Mais quelqu'un qui ne peut pas lire et qui est illettré. Satan will use his ignorance and begin to destroy him. Satan va utiliser son ignorance pour le détruire. Anybody will come and say, ah, it's written in the Bible that you can have two wives. The person will believe. You understand? Ignorance is a disaster. Donc, quelqu'un peut venir pour lui dire, oui, ceci, c'est écrit dans la Bible. Puisqu'il ne sait pas lire, donc il va accepter. Donc, l'ignorance, c'est quelque chose qui détruit. So, a way out, you must give your life to Jesus. Number two, you must know your enemy. La première chose, vous devez donner votre vie à Jésus. Et la deuxième chose, tu dois connaître ton ennemi. The Bible said that Satan is a thief. He come to steal and he come to destroy. So you must know that your enemy number one is Satan. La Bible nous dit que Satan, c'est un voleur. Il vient seulement voler et après il détruit. Donc tu dois savoir que ton premier ennemi, c'est Satan. Number three, you must know your God. Numéro 3, tu dois connaître ton Dieu. Many people go to church, but they don't know God. You must know the God you serve. Beaucoup de personnes y vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. If you want to know God, you must search the scripture, you must read the word, believe in it and live by it. Si tu veux connaître Dieu, tu dois lire la parole, tu dois le croire et tu dois vivre selon cette parole. If you know the word, it's going to be difficult for Satan to deceive you. Si tu connais la parole, si tu connais l'écriture, ce sera difficile à Satan de te décevoir. Number four, you must learn warfare prayer. You must learn how to pray prayer against the enemy, Satan. Numéro 4, tu dois savoir comment prier contre ton ennemi qui est Satan. You must declare war against the power of darkness that are oppressing you. They are not your friend, they are your enemy. Declare war against them. Tu dois déclarer la guerre contre tous ces pouvoirs qui sont en train de te combattre. Declare war against them in the morning, in the afternoon, in the night, every minute of your life. They are your enemy. Ils sont tes ennemis. Donc, toute minute, tous les jours de ta vie, tu dois leur déclarer la guerre. Yes. You understand? What are the benefits of his deliverance? Deliverance brings termination of satanic oppression. Donc, quel est les bénéfices de la délivrance? La délivrance, ça te libère de tous les pouvoirs qui te combattent. Deliverance will make your spiritual life to be more vibrant. Deliverance will make your spiritual life to be more powerful. La délivrance, ça fera que ta vie spirituelle sera
puissante. Tu as une vie de spirituelle puissante. It will make your spiritual life. It will make you will live a your holiness will become more easy. Ça, la délivrance, ça te permet que ta vie de sainteté sera facile pour toi à vivre. Deliverance will bring revival inside your soul. La délivrance amène l'éveil à ton âme. Deliverance will give you a rapid breakthrough. Deliverance will remove the veil of ignorance. La délivrance enlève toute l'ignorance de ta vie. The deliverance will make you have dominion over the power of darkness. La délivrance t'amène à dominer tous les pouvoirs de ténèbres. Before Satan sent an agent, he will say, look, the way I am sending you is not an easy way. Be careful, because many people went there, they died. So you will have dominion over the power of darkness. Amen. Donc, avant que Satan t'envoie ses agents, il va dire à ses agents, tous ceux que j'ai envoyés là-bas, ils sont morts. Donc, tu dois savoir que tu prendras une domination, ta puissance supérieure sur les pouvoirs de ténèbres. Now, the danger of ignoring deliverance. Number one, you yourself, you are inviting Satan. You are telling the enemy, I am ignorant. You people can take over. It's like you are giving them invitation letter. Those evil observers, they'll begin to observe you when you are ignorant of deliverance. Si tu es ignorant à la délivrance, ça veut dire que tu invites simplement Satan et ses agences qui t'écoutent, qui t'observent. He did ask this one, she's ignorant. She does not even know that we are there. You understand? Let us use our ignorance. Every time we put the blame on her, they will begin to manipulate you. Your spiritual life, you will not understand. You will just be up and down, up and down, up and down, up and down. When you have ignorance, when you are ignorant of deliverance. Si tu es ignorant à la délivrance, tu vas voir que ta vie spirituelle sera toujours de haut en bas, de haut en bas. Tu vas faire que tomber. You ignore deliverance, you are exposing yourself to the spirit of tragedy. Your life will be tragedy. You are not even praying. Even to pray, come on, chasing a demon, you cannot chase out a demon. Your demon will begin to manipulate you as they want. Si tu es ignorant à la délivrance, ça veut dire que tu exposes ta vie à la tragédie. The key of deliverance. If you want to make sure that these demons cannot penetrate your life, is to live in a total holiness. La clé de la délivrance, si tu veux que les démons ne te pénètrent plus, tu dois vivre une totale vie de sainteté. After the demons are gone, make sure that you live a total holy life. Avant que les démons te quittent, il faut que tu t'assures que tu dois vivre une vie de totale sainteté. Number one, Mr. Flesh. Mr. Flesh must die. Mr. Flesh, la chair. Monsieur, madame la chair. La chair doit mourir. Ah, d'accord. Ok. Donc, madame, ta chair, tu dois faire mourir ta chair. Les désirs de la chair doivent mourir. You must decrease. Jesus Christ must increase in you. Donc, tu dois mettre Jésus doit vivre en toi. Amen. Yourself must die. You must lay aside self for you to have a complete deliverance. Le moi doit mourir en toi et tu dois vivre une totale vie de délivrance
en Jésus. But if you don't allow your flesh to die, you are feeding your flesh every day. That flesh will get stronger and your deliverance, it becomes impossible. Si tu ne fais pas mourir les désirs de la chair en toi, tu vas savoir que ces chairs, les désirs de la chair, quand tu l'entretiens, ça va augmenter. Et je vous assure que votre délivrance sera impossible. When the flesh is strong, the spirit becomes weak. Si les désirs de la flèche s'élèvent, vous devez savoir que ta vie spirituelle se rabaisse. Your flesh has taken over. Your spirit is dying. Donc, les désirs de ta chair augmentent et ta vie spirituelle est en train de mourir. What I'm advising you, Christ must increase and your flesh must die. Donc vous devez savoir que Jésus doit augmenter dans votre vie et les désirs de votre chair doivent mourir. Votre chair doit mourir. Votre chair doit mourir. Amen. Jesus said that the flesh profited nothing. You can be quiet. Let me say, you see, if you don't deal with that spirit of anger, you can be quiet the whole year. But one day, you pass through the test, and that spirit of anger that was hiding will show off. Wow! Mr. Flesh need to die. Amen. You need to die. Donc, vous devez savoir que même si vous ne manifestez pas les désirs de la chair, ou bien quand vous avez une colère en vous, vous ne les manifestez pas tout de suite. Un jour, vous allez voir que ça va prendre le dessus. C'est pour ça que je vous dis que la chair doit mourir. The flesh is arrogant. The flesh is rebellious, disobedience. The flesh will keep you, will make you to be rebel, you know, against God. That flesh must die. If not, your holy life is impossible. You cannot live a holy life. Vous devez savoir que la chair est arrogant, la chair est rébellion, la chair est désobéissante. C'est pour ça que vous devez mourir la chair pour vivre une vie de sainteté. You need to kill the flesh before the flesh kill you. Donc tu dois tuer la chair avant que la chair te tue. A Christian that lives a life that is not crucified will be tormented, will be harassed by the enemy. You need to be crucified. Donc le chrétien qui n'a pas crucifié sa chair, le chrétien doit crucifier sa chair. Sinon, tu ne peux pas revivre avec Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas avoir une délivrance totale tant que la chair n'est pas morte. Ah, any area of your life who is not submit to God, flesh will take over that area. Tous les domaines de votre vie qui n'est pas soumis à Dieu ou bien à Jésus, vous devez savoir que la flèche va prendre cette partie. La chair. And when the flesh take over, it will make sure that it will enter your ear, enter your eyes, enter your brain, enter your mouth, enter your nose, enter your job, enter your ambition, enter your voice, enter your certificate, kill the fire of God in your life. And it will destroy you. You better kill the flesh before the flesh kill you. If you need deliverance. Si tu veux la délivrance, tu dois faire mourir la chair. Sinon, c'est la chair même qui va te tuer. Parce que tous les domaines de ta vie que tu n'as pas soumis à Jésus,
Tu dois savoir que la frère, la chair doit prendre contrôle, va prendre contrôle de toute ta vie après. When you come to Christ, you have to fight four fights, four different kind of fight. Number one, the battle against Satan. Quand tu viens à Jésus, tu as certains combats. Premier combat, la bataille contre Satan. Number two, battle against sin. Deuxième, le combat contre le péché. Number three, battle against the flesh. Numéro 3, combat contre la chair. Number 4, battle against the world. Those things. And you are not going to sleep. It is a constant battle. Donc, numéro 4, le combat contre le monde. Tout ce qui est mondain. How will you know that flesh is controlling your life? You know, when you lack of discipline, you cannot discipline your there's no discipline in your character, flesh has taken over. When you are stubborn, when you procrastinate, you put things to tomorrow. Instead to do today, you put it tomorrow. Flesh has taken over. You need to kill the flesh. Comment est-ce que vous devez savoir que la chair peut prendre contrôle de ta vie? Comme par exemple, si tu remets tout à demain, tu n'as pas de discipline dans ta vie, donc la chair va finir par te prendre contrôle de toute ta vie. Oh, il faut tuer la chair avant que la chair ne te tue. How will you defeat the flesh? The only answer is death. The flesh must die. Donc, la seule réponse, c'est que vous devez tuer la chair. La chair doit mourir en vous. You must reject his proposition, reject his plan, kill all his work, pray aggressively to mortify the member of your body. If you want to overcome Mr. Flesh, if you want to have total deliverance. Amen. Donc, si tu veux avoir la totale délivrance, tu dois rejeter les propositions de la chair. Tu dois refuser ses plans. Tu dois refuser à ce qu'il contrôle ta vie. C'est comme ça que tu dois faire mourir ta chair. You must pray aggressively to mortify the member of your body. Tu dois prier avec violence. Pour avec tuer violence. Tous les membres de ta chair. Amen. Amen. Pour tuer les désirs de ta chair. Amen. You know, when you do that, Satan will flee away from you. Hey, I am telling you. Donc, si vous faites tout ceci, vous devez prier avec violence. Vous devez prier avec violence pour repousser tous les désirs de la chair. Moi, je vous dis, si vous faites ceci, Satan va vous fuir. If you want Satan to move away from you, you must educate your spirit man. Your spirit man need to know God. Need to educate your spirit man. Make sure that there is no ignorance in your spirit man. Donc, vous devez discipliner votre mentalité spirituelle. Vous devez enlever tout esprit de ignorance. Dans votre spirituel, dans votre vie spirituelle, voilà. Être spirituel, ton homme spirituel. You must follow peace with all men. Tu dois avoir la paix avec tout le monde. And you must guide your spiritual armor day and night. You must have a perfect hatred for bondage. Because if you love bondage, you will never be free. Amen. Amen. You must invite the fire of God into your life. Donc tu dois inviter le feu de Dieu dans ta vie. You must know the weak point of your Goliath. The weak point of your enemy. Tu dois savoir les points faibles de ton Goliath, je crois. You must join
a church that preach holiness and that preach that pray spiritual welfare prayer. Donc tu dois rejoindre les églises qui prêchent la sainteté ou bien la repentance. Et les églises qui pratiquent la délivrance aussi. Amen. Mm. Amen. Amen. You must make sure that you confess positive confession, not negative confession. You are a child of God. You live by faith. Amen. Amen. Donc tu dois s'assurer que tu dois confesser tu dois confesser positivement. Par la foi, because you live. Par la foi. Because you live by faith. Amen. We are soon going to finish. Amen. I can see you are tired. You must quench all the fiery darts of the enemy. You must read your Bible and pray every day. Tu dois lire ta Bible et prier tous les jours. And when you pray against the enemy, you use violence because the only language you understand is violence. Tu dois prier et quand tu t'attaques à l'ennemi, c'est avec violence parce que le seul langage qu'il comprend, c'est la violence. You must do x-rays of your spiritual life every day. You examine your spiritual life every day. You must do welfare prayer every day. Tu dois examiner ta vie spirituelle tous les jours. Tu dois faire des prières chaque jour. You must yield yourself completely to God with zeal. Hallelujah. Praise Amen. God. Donc tu dois être zélé et te donner complètement à Dieu. Amen. We are going to come back at 4 o'clock to pray. Amen. Donc nous allons revenir à 4 heures du matin pour prier. Donc ça fait 5 heures, heure de Paris. I hope you have understood what is deliverance. Now we are going to invoke the fire of God first. Amen. Donc maintenant que je vois que vous avez compris ce que c'est que la délivrance, quand nous allons revenir, nous allons maintenant invoquer le feu de Dieu. Now you are going to pray this prayer. Father, prepare me in the name of Jesus. Prepare me in the name of Jesus. Maintenant, nous allons faire cette prière. Père, prépare-moi au nom de Jésus. For this Père, prépare-moi au nom de Jésus. In the name of Jesus. Open your mouth, begin to pray. Begin to pray. Donc, commencez à prier. The way I look at you, like you don't look like somebody that will start deliverance prayer now. The way you are tired, like this. No, we are not tired, we have just started. Amen. Yes. Go and rest. We'll come back 4 a.m. Amen. Let's pray. Amen. Father, in the name of Jesus, thank you, everlasting Father, for letting us know the truth. Now, oh God, we thank you for the power in the name of Jesus. Thank you, Father, for all the weapons that you are giving to us to fight the enemy. Father, as we are coming back in full force. We are going to destroy all those yokes. All those evil seeds Satan has put in our lives in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, because today is our deliverance. To receive all the glory, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You are going to, I told people, say your prayer point. What is the weak point in your life? Because you have confessed your sin. You don't want to come back again. When we are going to pray against the evil power, don't pray with the emotion. Don't pray with the as if you pity them. Amen. Amen. Let's share the grace. Partageons la grâce.
With the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forever. Amen. Lord bless you. I hope that you will do this deliverance. So the way I see you are tired like this, the Lord is your strength. We say we are not tired. It's just the beginning. Amen.